Moi, j'ai toujours rêvé d'être une pionnière du football féminin et j'ai eu la chance de faire partie de la première équipe nationale du Sénégal. Et ça n'a jamais été facile pour notre génération, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs. Et maintenant, j'aimerais aider mes petites sœurs qui viennent à ne pas vivre les mêmes difficultés que nous. Entraînement. Mais dafa am ñetti grand yo xamne dañ tok ci tali bi non. Ñu ngi ñu oo bañ uyilé wala ngeen sét lo leen def mo gën ngeen top football bi rek di daw. Ngeen melni do leen ay jigéen. Bu añ di root ba da nga wara dem école sa ya ngi wara dugg 8h wala 9h dem di root ci robinet bi quand même. Jigéen ñi dañoo bëgg talog goñu doole. Il faut accepter aussi que ce qu'on fait, que tout le monde n'adhère pas. Mais de là quand même à rencontrer autant de résistance, ça je ne m'y attendais. Moi, qui suis un homme sénégalais, si une femme a trop de confiance en elle, quand une femme a le leadership, est-ce que ça ne va pas déstructurer ma famille? Si ma femme, je dis un, elle dit deux. Catastrophe. Mais pourquoi tu n'aimes pas le foot féminin? C'est comme s'ils étaient contre ce que nous faisions. Il y a toujours des gens qui n'ont rien compris, quoi. Et c'est ça le malheur, quoi. Et ça retarde le foot féminin même, quoi. Le terrain n'est pas gagné. Il faut toujours se battre, continuer à se battre et avancer.